俺たちとは違う次元の化け物になって帰ってきやがった。どうなってやがる。Salut à tous et bienvenue dans ce backcast mini improvisé puisqu'on ressort de la projection de Dragon Ball Fukatsu no F. Salut Fabien, comment tu vas ? Ça va, toujours content d'être avec toi, hein, pas de problème. Partager des moments comme ça, de voir Fukatsu no F en 3D au Grand Rex sur le grand écran large, ça fait mal au porte-monnaie, mais putain qu'est-ce que c'est bon ! C'est ça oui. Bon, alors bien sûr, vous vous dites là, mais alors Fukatsu no F ? Ça ne sort pas en France. Non, ça ne sort pas encore en France, mais il y a les ayants droit. C'est bien sûr Viz Media, donc Kazé, qui va le sortir. Quand on ne sait pas, on sait juste que les doubleurs normalement ne devraient pas être de la partie, les doubleurs français. Mais bon, après, tout peut changer à tout moment, j'en sais rien. Vu l'engouement qu'il y a eu dans la salle, sachant qu'on a vu la troisième projection, je pense que la première, ça devait plus sentir les gens là. L'orgie totale. Donc alors, Fabien, Fukatsu no F, donc c'est le retour du messie des méchants, Freezer, ressuscité par des sbires devenus de ne sais où. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Vas-y, dis-moi, crache tout ton amour. Ouais, les sbires dont on ne connaît pas, c'est toujours la réserve d'hommes de main qu'on ne connaissait pas avant, mais qui était toujours cachée et qui était toujours dans l'ombre. Le film, c'est un pétard mouillé. N'ayons pas peur des mots, c'est un film qui se laisse voir, qui est très plaisant. Mais... Tu parles bien du film qui est le plus attendu de toute la communauté otaku. Bah, oui, peut-être, sans doute, mais ça n'empêche que chaque film d'une franchise de n'importe quel fanbase est toujours le plus attendu, donc voilà. Oui, mais Dragon Ball, c'est Dragon Ball, il n'y a rien qui vaut Dragon Ball. Je suis très objectif en disant ça. Tout à fait. Non, alors le film, bon, encore une fois, c'est juste une histoire. C'est une histoire qui se passe après Dragon Ball. Bon, ça se passe après Battle of the Gods, bien sûr, mais c'est juste une histoire et un combat, quoi. C'est Freezer qui revient, et Son Goku et ses amis vont le combattre. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai envie de te dire que moi, je dis banco pour ça, enfin, de base. C'est génial pour moi. Je suis d'accord, mais ça fait quand même 20 ans qu'on a des films Dragon Ball et Dragon Ball Z qui étaient excellents et qui partaient de ce postulat de base. Si vous ne connaissez pas ces films, il y a un très bon bac anime qui parle des films de Dragon Ball Z. Tout à fait. Et je vois pas en quoi il y a toujours jamais de nouveauté, c'est toujours la même structure. À un moment donné, c'est Son Goku qui reprend les rênes et les autres sont là à le regarder, genre Son Goku, heureusement que t'es là. Et c'est un peu chiant quoi de voir ça au bout d'un moment. Surtout que dans les films des années 90, il y avait quand même à chaque fois une espèce d'intensité. Il y avait des fois le désespoir, le... Tout le monde nous fait coucou, c'est génial. Il y avait un peu le désespoir. Là, c'est très calculé. On a vu Dragon Ball, faut qu'elle se C'est... Toi, t'es content, toi. C'est à base de Deus Ex Machina. Et puis, c'est... Il faut pas être trop indulgent non plus. Les gens étaient très indulgents parce qu'il y avait une bonne ambiance dans la salle, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Il y a des trucs qui vont pas dans le film, fondamental. Ou alors tout va trop bien, mais tout va trop bien de manière puérile et sans aucun enjeu. Voilà, sans aucun enjeu. Bon, on est d'accord. C'est ça le problème. Alors, en tant que tel, en tant que film d'action, tu t'amuses, même si c'est très redondant. Et je veux dire, pendant une heure et demie, ça se passe au bord d'une falaise. Mais au bout d'un moment, ça, c'est chiant. Et il y a une tendance au désamorçage qui est très très énervante au film. Alors, tu es là en plein combat et d'un coup on revient sur un truc avec une glace à la fraise et tu dis bon... Oui mais c'est Toriyama. Oui mais non. Alors voilà, comme l'avait dit Cédric quand on avait fait la critique de Battle of God, c'est Toriyama. C'est Toriyama qui est revenu, qui a pris les rênes de son bébé en termes de film animé. Et du coup, lui, Toriyama, sa cam, c'est l'humour. Alors oui, effectivement, c'est sa cam, c'est de base, de Dr. Slump. Là, il y a Jaco, le patrouilleur galactique qui est dans le film. Que j'adore. Putain, Jaco, alors là, super, parce qu'il ressemble à Ultraman, c'est pour ça. Très bon personnage qui en fait, c'était un manga de Toriyama, et où on pouvait voir aussi la femme de Badak, le papa de Goku. Et donc, alors, moi, je suis assez d'accord avec toi pour ce désamorçage. C'est incroyable de voir qu'après Battle of God, il n'y a pas de leçons qui ont été prises, enfin, qui ont été apprises. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros succès, donc on fait la même chose. Et c'est-à-dire qu'il y a un méchant, mais qui nous fait peur normalement. Freezer, quoi. Freezer, il arrive, on devrait
surtout avec des nouveaux pouvoirs, blablabla, on devrait avoir peur, mais sévèrement. Et en fait, c'est tellement dans l'humour, dans la blague, que finalement, comme il n'y a aucune intensité, tu as raison, bah, on s'en fiche, on regarde juste pour les persos parce que c'est des personnages qu'on aime, qu'on adore. Et c'est troublant. Alors bien sûr, il y a des nouvelles transformations. Vous avez pu voir Sangoku en bleu. Ça arrive comme ça. Il n'y a pas de... Pareil, l'intensité, elle est cassée. Et ce moutard de Freezer. Oh pardon, Golden Freezer. C'est quoi cette couleur? Moi, ça va pas. Ça fait ton sur ton. C'est plusieurs jaunes, ça vire au moutarde, vraiment. Alors il y en a, j'ai parlé avec des gros fans qui adoraient justement cette transformation. Qu'est-ce qu'on a pensé? Peu importe. Ah ouais, peu importe en fait. C'est purement cosmétique. Et bon, il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé. Bon, il fallait un truc marié avec le violet sans doute. Donc ils ont dit bon bah plouf, on va prendre jaune quoi. Mais c'est pas ça qui m'a gêné fondamentalement dans le film quoi. C'est juste une histoire de couleur, de design, ça peut passer. Mais j'en parle parce que c'est les personnages, c'est important. Oui, je suis d'accord. Mais le problème c'est que c'est plus le fait que ça arrive comme ça que ce n'est pas amené. C'est un film avec beaucoup de Deus Ex Machina quand même. On te dit, alors, excuse-moi de te couper, j'explique un peu Deus Ex Machina. C'est quand il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive alors que tout est désespéré. Et donc là, c'est truffé de petits trucs comme ça. Sauf que comme on n'a pas cette tension, ce désespoir dans le film, bah finalement, c'est juste un petit élément scénario. Voilà, une petite blague qui arrive au fur et à mesure. C'est un peu frustrant. Bon, techniquement, parce qu'on est là pour ça, on parle de Dragon Ball Z, donc on veut voir du fight. Et du fight, vous en avez. Alors là, les amis, du fight, vous en avez un paxton. Et à tous les niveaux, hein, dans la rue... Oh putain, le métier de Krilin, il est il va vous surprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont vous surprendre parce que c'est beaucoup de fanservice. Mais donc là, il y a beaucoup plus de fight que dans Battle of God. C'est vraiment que ça. Et ça, c'est ce que j'aime bien. C'est ce que je préfère limite à Battle of God. Parce que Battle of God, c'était très bien. On voyait tout le monde, etc. Mais on l'avait déjà vu. On avait envie de passer à autre chose. Et là, ils essayent d'aller toujours un petit peu plus loin avec l'apport CGI. Alors... Les amis, le numérique, vous savez que moi je gerbe dessus dans l'univers Dragon Ball Z, je peux pas supporter ça. C'est encore le cas dans ce film. Vraiment, moi ça me sort du film complètement, même si les designs de Dragon Ball Z c'est assez simple, c'est rond, etc., ou très carré. Normalement, ça devrait le faire. À la rigueur, un film cel-shading, ça pourrait être plus marrant, j'ai l'impression. Et du coup, par contre, on sent que le metteur en scène, il s'est dit « Bon, on a du CGI, c'est pas très beau, mais je vais m'éclater dans les combats à faire des plans où je tourne autour des personnages, où je rentre dans des vaisseaux, je vois plein de gens. » Alors, c'est pas très beau, mais il y a une certaine ambition qu'on n'a jamais vue dans les autres films en termes de mise en scène. Oui, je suis d'accord, il y a des choses... entre le très beau et le très moyen, effectivement ces longs plans sont très réussis. Je me souviens d'une scène avec Krilin qui se bat dans la forêt, qui est un truc assez surprenant et assez bien foutu. D'ailleurs, c'est le début du film que moi j'ai préféré. Avant que Son Goku et Vegeta arrivent, on a un gros combat avec Krilin, Tenshinhan, Piccolo et Gohan, qui est vraiment un très beau combat où on varie les environnements et du coup on superpose tous les combats en même temps. Donc du coup, c'est très chouette. Mais voilà, il y a des trucs. Ça marche bien quand c'est sur Terre, quand c'est dans l'espace, ça marche beaucoup moins. Le CGI, des fois, on a des personnages en CGI comme ça qui sortent là. Tout le monde. Voilà, vous avez même quand même les personnages principaux, donc Freezer et Son Goku, qui sont en CGI quand ils se battent. Hein, ça pique, ça fait mal au cœur en fait. Ouais, voilà. Donc, tu as dit un truc intéressant, c'est que j'en ai marre un peu de cette propension à l'exposition qui sont tout le temps genre ah, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus nos personnages? Alors que dans le film d'avant, tu avais très bien vu ce qu'ils étaient devenus, tu vois. On nous a fait le coup avec Battle of the God, on nous refait le coup là, on nous refait le coup avec Dragon Ball Super. Arrêtez de nous les représenter à l'état où ils sont, genre tous les deux jours. Là, j'aurais bien aimé, genre Freezer revient. Situation d'urgence, les mecs. Non, on arrive tranquille et tout. Dans l'univers de Dragon Ball Z, maintenant, rien n'est grave. On se précipite, mais tranquille, il y a Sangoku. Peace and love. C'est un monde de sans conséquences. Et je pense que pour relancer Dragon Ball, il y a besoin à un moment donné de montrer que c'est un univers avec des conséquences. Quoi. C'est lourd. Alors oui, on part sur une dimension cosmique, t'as raison. Si on parle de dieu de la destruction, etc., c'est qu'on a envie de voir Goku et ses potes partir ailleurs, encore plus loin que Namek, affronter des grandes entités. Donc Freezer, je suis content, mais c'est peut-être pas sur Terre que ça aurait été intéressant. Si, peut-être sur Terre, mais pas au bord d'une falaise pendant une heure.
Et voilà, nous nous sommes téléportés comme par magie, comme ça. C'est les grands films qui nous donnent des... C'est la magie des videurs. C'est ça. Et oui, c'est la magie aussi de l'imprévu. Voilà. Donc, bon, au final, Dragon Ball Z, moi j'ai envie de vous dire que même si on est déçu, même si c'est, voilà, c'est du CGI, etc. Avant, il y avait mieux, ça c'est... C'est sûr, il n'y avait pas de CGI, il y avait des vraies animations, là on sent beaucoup trop les poses clés. Et bah quand même, au cinéma, ça marche. Parce que les personnages, ils marchent toujours aussi bien, même si il n'y a pas que l'histoire qui les a amorcés, il y a beaucoup de personnages aussi où tu regrettes ce qu'ils sont devenus, notamment un certain Gohan, mais bon, on va passer sur les détails. Il y a beaucoup de fanservice et je sens que Toriyama, il a plusieurs fanbases différentes, j'ai l'impression, et qu'il en cible une et qu'il va déplaire à l'autre, enfin, je sais pas. Je ne vous parle pas de nostalgie, je vous parle juste d'ambition. Vous imaginez ce qu'était Son Gohan quand il se battait contre Cell. Vous vous rappelez la puissance de ce personnage? Eh oui, et c'est la nostalgie. Ouais, t'as raison. Donc il faut la buter, la nostalgie, au bout d'un moment, et peut-être laisser ça aux enfants, mais peut-être plus aux personnes de 30 piges, quoi. En tout cas, le plaisir, il est vraiment là, c'est-à-dire que vous voyez quand même des combats de super guerriers, des mecs badass comme il faut au cinéma, et ça, ça fait vraiment plaisir. Je vais pas bâcher le film comme un dingue, parce qu'il m'a quand même fait vibrer, il y a des super scènes de combat, notamment un combat aussi avec Freezer qui est très beau, tout n'est pas à jeter, je vous assure. Non, mais t'es en droit d'attendre plus. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est bien mieux que ce premier épisode de Dragon Ball Super, qui est un... Bon, on finit là. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Rejoignez-nous sur la page Facebook de Bacast, sur le forum de Planet Fuzz, et puis on vous fait de gros bisous. Bon animé. Ciao.